Bonjour tout le monde, bienvenue ici Jade, vous êtes sur Iva Sound Studio. Ça faisait un petit moment, Shantae and the Pirate's Curse, la malédiction des pirates. Ça fait une semaine en stream sur Twitch. Il va falloir poursuivre l'aventure, il reste 3 îles à faire. Donc j'espère que ce samedi on termine aujourd'hui l'aventure. YouTube, normalement ça fera 3 épisodes. Voilà. On va essayer de réapprendre à jouer en une semaine, il s'est passé beaucoup de choses, donc j'ai peut-être oublié de savoir comment on joue. Let's go, c'est parti. Techniquement, on est à 58% du jeu, 7h02, qui ne comprend pas la pause, la map, etc. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Vérifions le son. On va quand même baisser encore un peu le son du jeu. Hein. Allez, 2 secondes. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux comme ça. C'est mieux ainsi. Et le son du micro? Il y a un léger souffle. Voilà, il est atténué. Je vérifie juste mon retour directement sur le stream, le Twitch. Ok, ça a l'air d'être bon. Désolé, il y a eu un écho du coup. Veuillez m'en excuser. Let's go, c'est parti. Est-ce qu'il nous reste des choses à faire avant de se lancer sur la nouvelle île? Ou pas du tout? Non, hein. Je sais plus, il y a... Non, c'était pas ça. Il y a le sultan, je ne sais plus quel... Si, il voulait manger des homards, mais je ne sais plus combien. Et j'en ai plus du tout, d'ailleurs. On va peut-être le redemander. Je vais manger une sucette. Voilà, j'ai... Voilà, la sucette gratuite, hein. Bon, bah, c'est la sucette de début de partie. En ce qui concerne les calamarqueurs, il en manque, hein, bien sûr. Certains sont encore inaccessibles ou je n'ai pas compris comment les avoir. En ce qui concerne les pirates chauves-souris, il en manque aussi. Certains ont été repérés, mais comment y accéder, c'est une question. Donc voilà, voici le sultan. Tu te souviens quand la ville a été construite ? Scuttleton était située sur la petite baie, celle où tu vis. Puis elle s'est agrandie et nous avons dû la détruire pour la reconstruire. Maintenant ton phare et tout ce qu'il en reste. Je mangeais 3 queues de homard à chaque repas. Cette époque me manque tellement, du coup il va nous demander 3 queues de homard. Et je n'en ai pas. On va essayer de les conserver quelque part. En ce qui concerne les items, les attaques, les boosts, les up surtout, il me semble que j'étais à jour, mais c'est à vérifier ici. Non, je vais pas acheter une potion. Boule à pointe, les deux monstres, on s'en fiche en point, tout ça. On est tout bon. Pour le moment, nous sommes tout bon. Comme... Non, on va pas faire de blagues sur la politique. Écoutez, let's go, c'est parti, commençons. Hein. Rien à faire de plus en amont. Donc, commençons. Scuttleton, il nous manque un blob qui avait été repéré. Mais je sais pas où il est. Il manque 2 pirates, mais bonne question. L'île salive, tout est... Oh, l'île salive, 100%, tiens donc. Je m'en souvenais plus, parfait. Île toile d'araignée, 2 blobs et 1 pirate. Il bronzette, un pirate et l'intégralité des blobs. Alors là par contre, je sais pas comment j'ai fait pour tous les rater, en vrai. Sachant que je ne me souviens pas en avoir croisé 4. Donc il y en a que j'ai pas du tout croisé. Il faudra sûrement y revenir. L'île marécageuse, c'est... Là où on doit aller, non? Attendez. 1, 2... Oui, c'est ça, on fait l'île marécageuse. Donc il y a 6 blobs et 3 pirates, let's go. C'est parti mon petit, comme on dit. Expression de boomer. Terre, bienvenue sur l'île marécageuse. Ça ne sent pas très bon. Nous avons réduit le pouvoir du pirate master de 3 cinquièmes. Oh, ça y est, on fait des maths. J'aime pas les maths. Il s'en est sûrement rendu compte. Même depuis sa tombe, il tentera de nous arrêter d'une manière ou d'une autre. Mais peu importe, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Oh! Je crois que j'ai trouvé l'origine de la magie noire. Comment? Par élimination. Lorsque les génies
ont vaincu le Pirate Master, ils ont dû se vider complètement de leur énergie pour y parvenir. Ils l'ont réduit en cendres. Sans magie pour les maintenir, les génies ont disparu de ce monde. Plus de génies avec leur magie blanche, plus de Pirate Master avec sa magie noire. Seulement toi. Moi ? Lorsque je t'ai emprunté ta magie pour ce que je voulais faire, j'ai fait un vœu, tu te souviens ? Tu as pris ma moitié magique. Alors là, on parle sûrement des épisodes précédents que je n'ai pas fait, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et tu l'as utilisé pour accomplir le mal. Donc, tu l'as transformé en magie noire. Exactement. Mais ensuite, je l'ai détruite. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu as plus certainement dispersé la magie. Pourquoi tu dis ça ? Parce que la magie ne peut jamais vraiment être détruite. Si ? Je ne sais pas. Peu après cette rencontre, la malédiction infligée à mon équipage a commencé à faire effet. Ce qui veut dire qu'une nouvelle source de magie noire a été trouvée. Gloops, quelle que soit l'origine de la magie, nous ne devrions pas nous en inquiéter maintenant. Tu as un autre repère du mal à trouver. Est-ce que c'est vraiment possible ? Le Pirate Master utiliserait ma magie ? Let's go ! Île marécageuse. Alors, on tape comme ça. Ça, c'est pour récupérer la magie. Ça, c'est pour tirer. Attention. Ok. Et planer, on a dit que c'était quoi ? C'est ça. Très bien. Ça, c'est pour... Très bien. Ok. D'accord, j'avais pas capté comment ça attaquait. Nous avons... Oh mon dieu. Nous avons des choses en hauteur, là. Ah non, c'est juste une grotte. On attaque directement avec une grotte et... Les petites araignées. Les araignées. Voilà, c'est beaucoup par contre. Voilà, je perds des trucs. Ok, c'est bon. Le petit cœur. On récupère. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage image, son ou quoi que ce soit parce que ça n'arrête pas en vrai. Depuis quelques streams. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait peur. Mais ça m'a suivi ! Et ça me... Ça m'a poussé. Ennemis en fait. Je récupère la sucette à la vie, lui qui repop. Mon dieu, au secours. Au secours. Attendez, il y a un truc qui va sauter là. Ok. C'est bon. En spammant les cheveux, ça va plus vite. Par contre, je ne sais pas trop où je vais encore. Hein. Pourquoi ça a vibré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah. C'était ça. Non ! Écoutez-moi la paix. On dirait Venom. Pour ceux qui ont la ref Marvel. Là, en bas. Ok, d'accord. On peut le voir en avance. J'avais pas capté. On peut le voir un petit peu en avance. Très bien. Qu'est-ce que... J'ai déjà perdu la moitié de la vie. Alors qu'on n'a pas fait... On n'a pas fait beaucoup. Mais là, je sais pas comment les avoir, moi, ceux-là, là. Ok. C'est flippant, flippant, flippant. Je vous le dis. Oh. Je peux rentrer là-dedans. D'accord. Je ne savais pas. Mais ça veut dire que j'ai raté quelque chose de l'autre côté. Ah! Bon, on va faire comme si c'était bon. Hein. J'ai décidé, j'aime pas ce niveau. Au secours.
vu les deux monstres. Je sais pas pourquoi il y a ça. Ah, je l'ai pas vu. Argent. Argent. Ça a sauté je sais pas où. Ok, ça fait mal. Qu'allez-vous faire? Ils vont sauter là-haut? Ok. C'est bon, il est... pas mort. C'est moi, j'ai mort. On revient loin. On revient très loin, on revient au début du stream. C'est génial. Allez, redirection l'île marécageuse. Faut se refaire la cinématique, je suppose. Sinon, ce n'est point drôle. Alors, on y va en accéléré. Hein. Ok. Alors les araignées. Là j'ai pris un coup pour rien. J'ai pris un coup pour rien. Attention, il y a les grosses créatures. Voilà, lui il va sauter là-haut là. On commence à se méfier maintenant. Punaise, je me suis fait eu. Voilà, des dégâts. Allez, c'est gratuit. Allez, je le vois pas. Faut faire attention de plus encore au décor. Ah voilà, donc je peux me cacher là-dedans. Il n'y a rien. On se casse. Tableau 2. Il va sauter. Ensuite. Ah les dégâts. Allez, deux cœurs en moins. Génial. Je suis caché. Où il va? Nulle part. Parfait. Il y a un truc qui va sauter encore. Voilà, il est là-haut. Lui, on s'en occupe. Je prends des dégâts juste parce que je suis monté comme ça là? Mais nawak! Attendez. Je sais pas s'il est KO lui. Je crois que oui. Ça, ça fait. Argent sur 20. Argent sur 20 et je prends des dégâts encore. Mon dieu, mais donnez-moi un soigneur, quelque chose là. C'est pas normal. Hein. J'arrive pas à le taper lui. Prends des dégâts sur les gougouttes là. Je sais pas en vrai. Il y a un passage là-haut. Oh mon dieu, oui, toi, je t'aime. La sauvegarde. Il va aller où? Il va aller où? La caméra bouge un tout petit peu en haut en bas, c'est très bizarre. Il y a quelque chose quelque part. Ah voilà, bah déjà il y a ça. Voilà, lui qui va sauter. Vas-y, amuse-toi. Voilà, saute encore. Voilà, allez, go. C'est pas KO, hein. 15. Moi j'étais 25. Il y a quelque chose là. Oh! Je l'ai vu!
Alors là, pour l'avoir par contre. Oh. Et lui là. Ok, c'est bon. Punaise. YOLO. Non. On va passer autrement. Purée. Je sais pas où aller moi. Oh oui. C'était pas volontaire. Ok, il s'est même pas envolé, parfait. Par contre, je prends la magie. Je devrais peut-être me régénérer un peu là. Les sucettes, tout ça. Sucettes. J'ai pris deux. On en prend encore deux, voilà. Quoi, je peux pas les manger plus? Voilà. Ok, pour les sucettes, on est bon. Se cache. Je veux pas. Il y avait quelque chose là-haut. Hein. Bon, on va à droite. Punaise. Ils étaient deux, quoi. Allez, les araignées. Et d'une. Et de deux, les araignées. Je prends des dégâts quand même, hein, la gratuité. Pour la gratuité. Hop là, on passe. Oh non! Ok, argent, mais c'est pas tout ça qui... Ok, araignée sur 20. J'arrive pas à voir l'araignée, sérieusement. Ah bon, quand même. On va la voir avec le temps. Ouais, c'est... Il y a des choses là-haut. On va regarder la carte. Je ne l'ai pas encore regardé, la carte de la zone. C'est linéaire pour le moment, avec des choses en hauteur. Mais un truc de raté. J'ai peur. C'est quoi ça? Oui, bien sûr, les chauves-souris, bien sûr. C'est pas le moment, là. Et l'autre qui vient. Punaise. C'est stressant, très stressant. Par contre, il doit y avoir quelque chose de caché en bas. Je pense. Oh oui, alors déjà il y a ça, forcément. Oh, faut que je regarde plus le sol. Regarde plus le sol. C'est quoi ça? Non, c'est un PNJ. Trois petits points. Quoi? Qui es-tu? Je suis un exer, derrière cette porte, le village des âmes égarées. Des âmes égarées? C'est un endroit séparant ceux qui vivent et ceux qui ont franchi le pas. Tu ne devrais pas y entrer. Et d'accord. Et je fais quoi? Un petit point. Ah mais on va pas refaire tout le texte par contre. Un endroit séparant ceux qui vivent et ceux qui ont franchi. Pas... YOLO. Et non. Il y a un mur invisible, donc je ne peux pas passer par là. Donc je sais pas. Oh punaise, j'ai failli le... Regarde le sol, punaise. Là, il y a quelque chose là-haut, peut-être. Est-ce que je peux les avoir, eux? Ils sont immortels, sérieux. Au revoir, les chauves-souris. Voilà. Il doit y avoir quelque chose en bas. Attendez. Pourquoi il n'y a pas de... Si, ok, il y a des petites têtes de mort. Mais pas partout. Étrange.
Allez l'araignée. Voilà, ça c'est fait. Il y a lui qui va revenir. Je passe. Là il y a... Oh punaise, mais ils sont partout. Voilà, j'ai full vie. C'est bien. Par contre, du coup, j'ai raté un endroit quelque part. Ah voilà, ça c'est... Ok. Mais il y a un passage là-haut. Je suis censé l'avoir comment, lui? Hop là, on avance. Nickel. Top. Maintenant, je fais comment? Comme ça? Et oui, mais là, je l'ai pas du tout, en fait. Ah, ça y est, ça reprend. Ah, j'ai perdu un cœur et demi sur ça. C'est la gratuité. Affreux. Affreux. Ah, ton... Une ficette à la viande, oui. Mais ça ne m'aide pas. Il y a quelque chose là-haut, de toute façon. Reste à savoir quoi? Une cascade, tiens donc. La petite cascade. La save. Oui, go save. Oui, oui. J'ai eu un pirate chauve-souris entre temps. Go save. Clairement, on va pas le rater. Il y a quelque chose là-haut. Clairement. Comment faire pour aller. Oh, pour aller là-haut. Comment faire pour aller là-haut? On va attendre que lui passe là, voilà. Tac, on récupère ça. Il n'y a pas un passage? Non, il n'y a pas de passage. Hein. Il n'y a pas de passage non plus. Non mais... J'ai pris des dégâts là. Sérieux. Allez, on re-régène encore. On va faire les courses à un moment donné. Attends, il va sauter. Je vais retourner voir... j'ai déjà oublié son nom, la pirate là. Parce que je ne sais pas comment ouvrir la porte pour le moment. Il va peut-être falloir retourner au palais dans la bibliothèque pour avoir des renseignements en vrai. S'il faut, c'est ça. Hein. Il va où? Il monte. On s'en fout. Voilà, ça c'est fait. Oh là là, mais je les vois pas sur le sol, je les vois pas. Ok, araignée sur 20. Wow, non, 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 wow, wow, wow. Ce réflexe. Oh, j'aurais pu tout perdre. Hein. J'aurais vraiment pu tout perdre. Salut. Tu es prête à level... Elle me dit rien d'autre? Pourquoi elle me dit rien d'autre? Pourquoi me dit-elle rien d'autre? Et on n'a pas eu l'épée de Musclor là-dedans, en fait, là, dans les bronzettes. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 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 je veux rester à Sultan pour le moment. Je vais voir si Sultan a peut-être des infos. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Non, c'est bon. Me fait peur. On va voir si Sultan a des infos, ça m'étonnerait. Pardon, je passe. Je vais aller de... Ça, c'est ma maison, ça. Maison. Toute mignonne. Toute mignonne. Tac, tac. Oui. Bonjour, Sultan. Ok, il me dit rien d'autre, en fait. Bon, bah, au revoir. Oui.
On va régène, ça c'est clair, et on va la pêche aux infos aussi au passage. Bonjour. Non, tu me donnes pas d'infos, toi non plus. Non plus. On passe tout ça, on passe, on l'a vu la dernière fois. Dialogue sur 20, merci. Régène, on a dit, régène. Ah, j'ai raté. C'est le raté. On va save quand même, hein. C'est un peu long comme save. C'est un poil long. Aller où aller à la pêche aux infos là en vrai. Je pense que j'ai raté un truc. Comment accéder là où je dois aller. On accélère, on s'en fiche maintenant. Ah d'accord. Pas grave. Ok. Le truc il a des pop avant même que ça passe à l'écran quoi. J'espère vraiment avoir des infos à la bibliothèque en vrai. Pas garanti hein. Ce n'est pas garanti. Attendez, je me rapproche peut-être du micro, ce sera peut-être plus agréable pour tout le monde. J'ai pas mon retour dans les oreilles en plus, exceptionnellement. Là on y était allé hein. On y est allé là, mais on y est allé. Hein. Oh! Je t'avais complètement zappé, toi. Attendez. Attendez. Comment la voir? Comment la voir? Y a un truc sur le côté droit? Non. Je ne sais plus. Lui, on s'en fiche. Alors, lui, on repart. L'épée enchantée est probablement scellée dans le désert. Bon, d'accord. Je suis sûrement passé devant, mais sans m'en rendre compte, en vrai. Salut. Bienvenue au palais de Sekinland. Je casse tout. Ok, la sultane est toujours... C'est bizarre que la sultane ne soit toujours pas là, d'ailleurs. On fait le piqueur. Garde morale et ça me dit rien, pas plus d'infos. Sérieusement? Mais je dois aller où alors? Ils
Ils ont le temps de remplacer les chandeliers. Ils prennent tous les cœurs. On revient par là. Rien d'intéressant, ça en bas on s'en fiche. Il y a une épée dans le désert, je ne sais où, hein, du coup. Ah si, bah si. Je sais. Elle doit être... J'ai pas mal galéré au début du niveau du désert sur une zone avec des choses qui s'effondraient. Donc ça doit être par là. Un dash... horizontal. Et qui me servirait du coup pour le calamar qu'il y a à droite de ces arbres ici. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ça c'est pas malin ça. Allez, on est foutu de nouveau. On n'aura pas besoin d'aller fermer. Je vais aller dans le bain des termes pour ce régène. On va dire encore un petit peu là. C'est au cas où. Y'a personne qui a des infos? Quoi? La forêt voisine, attends. Ah mais si c'est bon. Là il me dit juste où, ça me dit juste où est le pirate que j'ai déjà eu. J'ai entendu un grattement venant de sous le palais. Il n'y a pas que des rats dans ces égouts. Bon, on l'a déjà vu aussi. Bonjour madame. Et qui a fait ses habits? Je me souviens de toi avant la veste. Quand le pantalon noir était à l'intérieur. D'accord. Étrange. Très étrange. On re-sauvegarde. Attendez, mais il y a un énorme décalage là. Je me mets dans une zone calme, 2 secondes. Voilà. C'est un énorme décalage là-haut. Alors on refait. Je tire. Décalage entre ce que je dis et ce qui est fait en jeu. Encore. Mais le son jeu et le jeu en image est bon. Je vais pas relancer le stream toutes les heures, donc on va faire comme ça. Attends. Je vais essayer de me souvenir de parler. 2 secondes en décalé. Ça va être difficile. Très difficile. Mais on va voir. Pourquoi je vais là? Voilà, je commence et je me décale même pas. Bah, direction le petit bateau. Hein. On va parler à la madame. Tu es prête à level 1. Très bien. Allons-y. Bon, arrivé sur cette île, du coup, je me suis planté où, moi? Où me suis-je planté?
Où me suis-je planté? Le retour des ennemis ne vient pas. Il doit y avoir un truc au milieu de ce gros rocher, je pense. Je sais pas trop où aller en vrai. Où est-ce que j'ai raté quelque chose, punaise. Je ne sais pas du tout. Et voilà. Mais une minute, mais ça... Ça meurt pas ça? Les choses en haut ne meurent pas? Alors lui, le bondisseur. Voilà. Un peu trop d'ennemis par contre à un moment donné. Sauvegarde au cas où. Et là, ça a revibré dans ma manette. Pourquoi? Retour du bondisseur. Mourir sur ça, sérieux. Non, c'est bon. Je ne comprends pas tout. Ou alors, faut que je sois à deux doigts de la mort pour répondre à l'énigme. Il y a quelque chose en hauteur là quand même. Bon, passons. Attention à ce que je fais.
Alors juste précaution. Il y avait des ennemis pas loin, je crois. De type bondissant et de type caché dans le sol. Voilà. Bon, c'est en avance par rapport à l'image, je suppose. Techniquement, je suis pas mort. Et maintenant qu'il me reste un demi-cœur. Non. Je vais pas te reparler à chaque fois par contre. Hein. Comment y accéder ? Et là je suis mort. Mais je suis pas mort sur le bon tableau, je suppose. Game over, ouais. Je vais juste faire réessayer. Oh punaise, j'ai failli l'avoir. Non, là je l'ai pas du tout. Mais tu y a tout qui repop. Panique. Voilà. Comment je peux faire? Je pense qu'il faut vraiment aller en haut en fait. Reste à savoir comment. J'ai encore perdu un cœur. Je suis ravi. Ça va de nouveau être la solution parce que là je sais pas du tout. Je sèche complètement. Pas. Alors attendez, on va chercher un peu d'aide parce que là c'est quand même très compliqué, je galère vraiment.
froid, quelle horreur. Alors, comment faire? Attendez, c'est la réflexion. Comment y accéder au machin? Comment y accéder? Hop hop hop, reviens en arrière. Un item? Un item de quête, forcément, bien sûr, mais je l'ai pas. J'ai raté quelque chose. À qui dois-je parler dans ce cas? Quel PNJ du village? C'est le suspense. Je ne sais pas trop. C'est pas village. Pas au village. Mais alors, où récupérer ce fameux masque? La galère là. Je sais pas. C'est pas du tout. Ben on va sur internet, hein. Il n'y a pas vraiment de choses écrites, c'est vraiment que des gens qui ont joué avant en fait. C'est un peu la difficulté là. Le retour à Spittleton. Parler à tout le monde.
palais de la araignée. Ah, un pirate que je ne connais pas. On va peut-être y faire vite fait un tour à l'île aux araignées, ce sera fait. Il va falloir farmer en effet. Faut retourner voir les zombies? C'est un deck. Puis le grand-père. Mais les lunettes, je les ai déjà, non? Ah, papa, reviens en arrière. Le fossile. You got the death mask. Comment on est censé savoir tout ça, en vrai? Comment on est censé le savoir? C'est tellement galère. Faut changer d'île. Je reviens en arrière. Ah, c'est vrai. Bon, essayez de pas mourir avant de passer quand même, s'il vous plaît. Voilà, c'est vrai qu'il y en a un qui me touche. Et deux pour le prix d'un. J'ai perdu la moitié de la vie sur ça. C'est tellement gratuit. Bon, ça fait de l'argent, mais bon. D'abord, je vais mourir sur les araignées en fait. Le fossile, je l'ai pas sur moi. Combo, pistolet, lunettes. Non, je l'ai pas sur moi. Zut. Là. Allez, ça fait un pirate gratuit. On observe le sol, hein. Peut-on jamais. Mais je peux passer, oui. Il y a un fantôme qui se planquait là, génial. Deux coups et je suis mort. Il y a quelque chose par là, ici. Hop là, on prend. Un fossile. Voilà. Maintenant, la carte, s'il vous plaît. Amenez-le à l'oncle. On va l'amener à l'oncle. Mais d'abord, la carte. Faut que je redescende. Et mince.
Peut-être la petite régène avant quand même, une sucette. Voilà, on sait jamais. Oh, fantôme. Il y avait un truc par là, non? Sur la gauche, peut-être? Non. Bon, petit dame. Île marécageuse, j'aime pas trop ce... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du décalage. Bon, j'aime pas trop cet endroit. Plus de questions. Ah, c'est bon d'être chez soi à nouveau. Maintenant, écoute. Cette île renferme ses secrets sous terre. Si tu as un moyen de creuser sous terre, tu pourras peut-être trouver quelque chose d'incroyable. Ou de vraiment, vraiment dégoûtant. De creuser sous terre... je peux taper un peu avec mon cimeter, mais cela suffira-t-il? C'est une bonne question. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont vraiment fait peur. Esquive dans les airs. On retourne en ville, encore. Ça va faire une heure, on a toujours pas vraiment commencé l'île de marécageuse en vrai. Le grand-père, il est où déjà? Il est par là. Mon oncle, j'ai besoin que tu analyses ce fossile, peux-tu m'aider? Demande à Bolo de le faire, il a besoin de s'entraîner. Blablabla, blablabla. Bla bla. Alors, on va le demander au petit jeune homme, du coup. D'après ton oncle, je suis myope. Ça prend des lunettes, en fait, je sais pas. C'est pour ça que j'ai cassé sa capsule en verre. Et laissé quelque chose s'échapper. Une capsule en verre? Où est-ce que j'ai trouvé une capsule en verre, moi? Franchement. D'accord, je lui donne les trucs. Je ne vois pas mieux du tout, mais je me sens super intelligent, au secours. Le fossile est un masque de mort rituel. Il a approximativement 15 000 ans. Ça fait beaucoup quand même. Il a été énormément pyritisé et contient beaucoup de soufre. J'ai enlevé la plupart des sédiments, mais il reste un peu de matrice pour la stabilité. Mais ça reste quelque chose qu'il vaut mieux éviter de mettre sur son visage. Génial. Et là, j'ai le masque de mort. Voilà. Oh mon dieu, c'est le masque de The Mask. Je sais pas si c'est une référence volontaire. Je me demande. Bon, on re-régène. Le petit bain. Direction la sauvegarde, encore et toujours la fameuse. Et on se barre, direction de nouveau l'île des araignées. Pas des araignées, non, pas des araignées, de la marécagisation là. Île marécageuse. Let's go.
D'accord, j'arrive sur l'île, je prends déjà des dégâts gratuits, quoi. J'essaye de faire attention si je vois en bas désormais. Passer sans prendre aucun dégât. C'est un miracle. Qui ne va pas durer. Wow, wow. C'est bon. Voilà, ça va pas durer. C'est dit. Punaise. Moitié de la vie, quoi. Ah, papy sauvegarde. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Heureusement. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ok, bon, on va régène, hein. Ça doit être absolument être au sol pour pouvoir manger. Eh ben. Oh, les trois chauves-souris, les porcs. Elles ont pris cher. Elles ont pris beaucoup cher. Allez, on avance. On reparle au PNJ. Mais qu'est-ce que tu as là? Je détecte quelque chose d'étrange chez toi. Allez, le masque de mort. Donc le PNJ va hésiter, hein, forcément. Et le PNJ se dit, attends, je vais réfléchir à nouveau. Et là, il rigole, hein. C'est la rigolade, c'est très très la rigolade. Je ne l'avais pas détecté avant. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Et a causé beaucoup de souffrance à autrui en même temps. Bon bref, du blabla encore et toujours sur la tristesse, la mort et tout. Voilà. Donc on va essayer d'absoudre nos péchés. Ouf. Je peux rien faire. Ah, c'est bon. Dans la gueule du dinosaure. Village des âmes égarées. J'aime bien les couleurs, c'est joli. Oh! Regardez qui voilà. Oui, vous le voyez un petit peu. Et il y a encore des choses comme ça. Mais j'ai pas vu si elle m'avait fait mal. Comment je fais là? Attendez. Bah.
Pardon, mais comment j'ai ce genre de cœur? C'est pas la première fois qu'on envoie des comme ça. Je vais me TP à un moment donné, genre j'ai changé la place avec le cœur. Je sèche. Je ne sais pas. Oh, une sauvegarde! Et un volcan. On est dans les enfers ou quoi? La musique a changé radicalement. Vous êtes des méchants, vous? Non. Ce sont des PNJ. Qu'est-ce que... Mais on a dit que des croisés, c'est comme ça. Wow! J'ai même pris des dégâts. Il y a un cœur à droite, mais je peux pas casser les cailloux. Ni à gauche. Il y a un truc à... Un interrupteur. Mon Dieu, je cherche le mot interrupteur. Un interrupteur. Je ne peux pas utiliser. Il y a des gens en bas. Il y a... Wow! Oh, mais faites pas ça, hein. Ouais, et votre truc dégueulasse là. C'est flippant, hein. Ça va repop. Je suis sûr que ça repop. C'est quoi l'intérêt de ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi il y avait la plateforme là? Et pourquoi il y a une cage? Je comprends rien. Je comprends pas cet intérêt vu qu'il y a un truc sur la gauche. Je sais pas. De nouveau de la lave et des fantômes. Ok, d'accord. Donc c'est des cascades de flammes et on retrouve un vieil ennemi. Oh! Ouais, le cœur c'est pas mal, je prends. Ça ressemble à rien comme map. Et maintenant on a des faucheurs. D'accord. Vas-y, prends des dégâts pour rien. Ok, les faucheurs. Ah, il y en a deux. Il n'y a pas forcément deux, non. C'est que ça repop à l'infini. Bon, parlons à ces gens. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Il y a un passage à droite. Bon, parlons à tout le monde. Petite extraterrestre bleue. Qu'est-ce qu'il dit? Ma pièce bleue. Où est-elle? Pièce bleue. Du coup, là, elle va nous parler de vert, je suppose. Pièce verte. Pièce rouge. Et toi, t'es qui, toi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a aucune idée de qui elle est. Mais c'était pas celle qui était dans la cascade d'eau il y a quelques épisodes.
Bonne question. Personne ne sait comment on arrive ici. Bah, techniquement, si, en vrai. Très étrange comme scénario. Très très étrange. Mais... Ok, ça repop à l'infini, je pense. On a vu un passage là-haut. Hein. Ouh, les moins 4. Ça fait bobo. Il y avait bien un passage là-haut. Il y a un passage en bas également. Je me méfie de tout maintenant. Oh, un coffre. Quoi? Qui est à la porte? Ton odeur est si agréable et si douce. Tu ne sais pas que c'est l'oubliette de la souffrance. L'endroit le plus profond, le plus sombre du village des âmes égarées. Oh. C'est réservé au bon à rien. Une pièce bleue. Ah, il y a du vent. Alors attendez. Maintenant. Je suis passé sans prendre des dégâts, je suis content. Une pièce verte. D'accord. Ça m'a l'air un peu rapide en vrai. N'avoir rien oublié, même si j'ai quand même des doutes. On commence par le bleu. Ils veulent jouer à quoi? À quoi ils veulent jouer enfin? Attention, je vais terminer. Pardon, excusez-moi. Veuillez m'excuser, même pour être poli. Allez, vas-y, tire. Mais j'y vais en plein dedans. Là, il y a un interrupteur que je ne sais toujours pas gérer. Mon fantôme. Ça peut être plaisir. J'ai perdu beaucoup de vie quand même. Aïe. Eat this.
y a un passage caché. Punaise. Je vais me faire avoir par les fantômes. Hein. Les. Oui, enfin les faucheurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien. Mais c'était joli. Oh punaise, ça va. La sauvegarde. Il y a un coffre au-dessus. Avec la pièce rouge. Prends des dégâts pour rien, punaise. Alors attendez, j'ai vu la queue d'Omar, mais on la touche pas. Ce sera pour le sultan. De la petite frame où j'ai été touché. Oui, bien sûr. Vas-y, prends des dégâts encore. C'est pas possible. Là, il y a quelque chose ici, ça m'embête. Hein. Non, c'est comme on dit. J'ai très peur de ce qui va arriver. Devinette. D'accord, ok. Le but du jeu est de nous battre tous les trois d'affilée, mais c'est pas des devinettes dans ce cas. Si tu te trompes ne serait-ce qu'une seule fois, tu devras tout recommencer. Trouve les trois bonnes réponses. Et notre trésor sera à toi. Pilouf. Ok. J'espère que c'est tout le temps la même chose, sinon... Un peu au pif, hein. Gagne un médaillon. Bon, du coup, ça va être son médaillon à elle. Elle a des frères. Deux frères.
D'accord, une flamme de l'espoir, très bien. Et j'en fais quoi? Pour de vrai, j'en fais quoi? Retourne à la sauvegarde, peut-être. C'est chelou quand même, hein. Oh, les dégâts pour rien, encore et toujours les dégâts pour rien. Je suis sûr que je peux passer. Pourquoi je ne pourrais pas passer en vrai? Où est-ce que je vais? Je retourne en arrière, peut-être? Bizarre. Attendez, je réfléchis. Où est-ce qu'il va falloir que j'aille? Passé devant tout à l'heure, punaise. La musique est super chouette, n'empêche. Bon, espérons pas prendre trop de dégâts. Voilà, ça c'est fait. Punaise. Ah, bien que ça serve à un truc. Un petit feu comme ça en plein milieu quand même. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe?
Il est costaud et il est très ombreux, ombragé. Hein. Pourquoi il a... Il dit oh oh de manière en jaune. Le muscle viril. Du parfum. Quelle porte? Non mais quelle porte en vrai? Une forte odeur qui inspire à réaliser de grandes choses. Quelle porte? Je vois pas la porte à laquelle il parle. Faudrait que je revienne vraiment à l'entrée. Bizarre quand même. Oui, on sauvegarde, oui, on sait jamais. Punaise, je cours dessus, sérieux. Vas-y, prends des... Ah là là. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? Je sais pas du tout en vrai. Je ne vois pas de quelle porte il peut s'agir. Mais vraiment pas. Mais quel idiot! Idiot! Bien sûr que je sais de quoi il s'agit. Idiot! C'était vers où déjà? En bas à droite. Toucher les squelettes. Oh là là. Tout simplement. Dagron, un dragon, je suppose. Allez. Oubliette de la souffrance. Il y a du feu par terre. Punaise. Ah. Ah oui, d'accord. On va manger, hein. À un moment donné, il faudra manger. Top, on mange de suite. Voilà. Full life. Et maintenant? J'adore la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait plouf.
Est-ce qu'ils vont tous les deux venir ici ou pas? La réponse est oui. Non! Ça a gardé en mémoire les ennemis que j'avais mis KO. Sérieusement! Je fais exprès, hein. J'ai l'impression de faire exprès. On attend. Une save, oui, des cœurs peut-être. Ouais, des cœurs. Oh là, oh, 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 oh. L'amusement. On m'a régène en entier par contre les cœurs. C'est très bizarre. Oh! Un coffre et surtout une carte, ça c'est chouette. Alors. Alors. C'est quoi cette carte? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Comment on est censé le savoir? Donc on est sur un système d'ascenseur. C'est plus que des ascenseurs en fait. Je regarde un peu partout. Là c'est bloqué. Donc ça a l'air d'être assez linéaire quand même. Il y a du vent là. Il y a du vent, mais ouais, non, on est obligé d'aller en bas. Allez, sérieux. Dégâts gratuits. Je déteste ça. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Voilà, voilà. Ah oui! Ah oui! Les flammes à la fin, merci quoi. C'est bon.
Ça c'est fait. Une clé. Et quoi en bas? De l'argent. Voilà, j'ai pris des dégâts. Gratuité. Ok. On est... Oh, punaise. Prévenez, les gars, prévenez. D'accord. C'était simple. On revient en arrière. J'ai une clé, hein, c'est ça. Mais non. C'est bon. Enfin. Go avancer. Du feu partout, génial, je suis heureux, j'adore. Il y a des choses au milieu que je ne vais pas pouvoir avoir pour le moment. D'accord, très bien. Attendez là. Vous voulez que je grimpe comment au juste? Ok. Je pense que j'ai capté comment grimper. Il y a un truc qui s'est cassé là-haut, mais il y a plusieurs trucs qui sont cassés là-haut. Mais c'est pas grave. On va d'abord aller. Ah. C'est une mauvaise idée, c'est ça? Et oui, bien sûr que c'était une mauvaise idée. Ok, est-ce qu'il y a du feu? Que juste en bas. Pas que juste en bas. Ça casse. Maladresse. Encore, mais je sais pas sauter. Je ne sais pas sauter, c'est pas possible. On patiente. On attend.
saute et on y va. Ou pas. C'est hyper stressant. Ok. Coffre sur 20. Il y a des choses en bas qui m'inquiètent. Genre beaucoup. C'est quoi ça? Les bottes de Risky, d'accord. Lorsque vous courez vers l'avant, appuyez sur Y lorsque Chantae commence à briller. Trop bien. Je sais où est-ce qu'on va aller. Je sais où est-ce qu'on va aller. On retourne en arrière ou pas? J'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, je fais quoi? Je pense qu'il va falloir repartir un poil par là. Ou beaucoup même. Attendez, je suis où? J'ai plus trop de vie encore une fois. Hein. Okay. C'était Y, hein, c'est ça? Ouais. Trop bien le calamar. Bon, je reviens là où je voulais. Ça me fait combien de calamars en fait? 2, mince. Alors. Techniquement, je peux casser le gros machin là. D'accord. Il y a des choses qui ont été cassées en haut, mais je ne sais pas quoi. On va voir. Une save! J'aime les sauvegardes. Trop bien. Non, pas eux! Des claques. Ah. Il y en a un au fond. Il y en a un au fond, on l'a vu. J'ai perdu tellement de vie. Ah. Ok, dès le départ. Oh, mais je passe comment? Santé, cours. Yes. La clé. C'était tellement chaud. Niveau timer et tout. Alors attendez. Maintenant. Allez. Oui. Vite. Ça passe. La sauvegarde est vite. Je veux pas refaire ça. Une minute. Donc là, j'ai fait la partie du haut.
haut, je crois. Faudrait-il que je fasse. Il va falloir tous les synchros. Comment vous voulez que je fasse ça? Comment faire? Attendez, attendez, là, c'est quoi ce bordel? Il va falloir faire tous, toute la synchro là. Forcément, je tombe. Celui-là, il est bon. Là, c'est plus bon. Là, on est bon. Énigme, punaise. Ah! Allez, non. Non. Ok. Ça, on peut faire. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais on peut faire. J'ai plus vraiment de vie, encore une fois. Il va rouler. Je cherche absolument par contre de la vie. Il y a un cœur sur la... qui est en train de tomber. Je récupère. Je récupère mais je meurs. On est bon. De vie du tout, hop 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 hop. Manger. Attendez, il y avait un truc au-dessus là? What? Je crois que j'ai raté un détail là. Il y a un détail que vraiment. Que j'ai raté. Veuillez m'excuser, par contre, quelques fois, je suis un peu enrhumé. Voilà. Ça prend 30 secondes. Même pas. Bon, et eh bien, go les flammes, les pics et tout ça. Ah! Je déteste les niveaux comme ça, mais je déteste ça. Et la sauvegarde qui est loin en plus. Voilà. Il faut forcément toucher, sinon c'est pas drôle. Ah punaise. Mais comment je fais là? Comment je me débrouille? Donne-moi une sauvegarde, s'il vous plaît. Non, non, le jeu il a pas envie, d'accord. Je vais mourir. Pas non plus. Au secours. Au secours. La boîte à bento. Bonjour au chat. Bonjour au dios.
comment il va. Et je fais comment? Oh punaise! D'accord, c'est un combo. Maintenant c'est un combo. C'est un combo. Mieux que toi a priori. Bon, ça c'est pas compliqué. Plateforme sur 20. Stop. Allez, les dégâts gratuits. Oh, c'était à côté, mais non, je recommence tout. Reviens en arrière. C'est là ? J'ai un doute. Voilà. Ok, là je peux. Tranquille ou. Ou presque. Oh, c'est la fin. Bon, donnez-moi quelque chose à faire de moins stressant là. C'est bloqué. Mais non. Ah, d'accord. C'est par où? C'est pas par là. C'est par là. Il y a un méchant par terre. Attends, boîte à bento là, parce que c'est... Voilà, boîte à bento. J'ai quand même raté une case hein, sur la droite. Hein. Attends toi. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'était une régène complète. Ça c'est inquiétant ça. Une régène complète c'est pas bon. Très bien, plateforme, allez, j'adore. J'arrive même pas au deuxième étage. Oh, je l'ai vu.
Punaise, doucement. J'aimerais ne pas perdre de vie sur ça. Et la musique qui stresse derrière, elle est super la musique, mais qu'est-ce qu'elle est stressante. Et là on attend. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette arnaque? Ok, l'arnaque elle est. Le cœur s'il vous plaît, je veux le cœur. Oui! Le cœur est à moi. Maintenant on recommence! Non, c'est pas vrai. Sauvegarde. Non. Non. La sauvegarde n'a pas envie apparemment. Prends des dégâts. J'ai pris des dégâts pour rien. Alors oui, en effet, je pourrais m'amuser à accélérer avec les nouvelles chaussures de l'amour. De l'amour là, mais... Ok, d'accord, en fait, je vais pas avoir le choix. Reviens en arrière, en arrière. Ah. Je retombe là. Je fais comment là? En vrai, je fais comment là? Il y a des choses très sympas là-haut en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Je ne pense pas que ce soit primordial. Et voilà, je tombe. Génial. Alors, l'énigme, ça va être d'aligner les trois au milieu. Et pas en haut. Là, les trois sont alignés en bas. Ok. Lui, il est bon. J'étais sorti du machin, punaise. Quoi? J'ai pas compris. Génial, ok, en effet.
Ok, là j'ai un à deux là. Non, je suis tombé. Ah! 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 Je touche plus rien. Je touche plus rien. Voilà. Par contre, il y a du feu, j'aime pas le feu. Oui, j'aime pas le feu, qu'est-ce que je fais? Je prends le feu dans la tête. Allez. Gratuité. Comment pour ressortir? Comme ça. Je veux l'argent. Ok. J'ai failli tomber pour de vrai. Oh oui! Une sauvegarde! Très très bien ça. Bloup bloup. Dagron, monstruosité massivement mal orthographié parce que c'est un punaise de dragon. Ah, je crois que j'ai compris. Ok. Et maintenant, c'est quoi? Bon, je l'attaque, pour de vrai. Non, pour de vrai, je l'attaque comment? Pour l'instant, j'ai fait 0. Je lui ai fait 0. Oh punaise, je crois que j'ai compris. Oh, je suis mort. Mais je crois que j'ai compris. Ça on le laisse, c'est que des cœurs. De même, des cœurs. Bon, c'est quoi son point faible à lui? Alors clairement, pas ça. Pas ça non. J'ai fait 0, mais comment on fait au juste enfin. Voilà, j'ai encore une santé. Il me fait tellement mal. Des dégâts tout seul. Génial, j'adore. Je sais même pas qui lui a fait des dégâts. J'ai rien compris.
rien compris. Et je suis full life, c'est ça le pire. Oui, on a compris, allez. Ok, j'ai mis un coup dans la tête, un coup. Voilà, lui, il m'en met 50. Voilà, allez, c'est gratuit. Ça veut pas lui faire des dégâts quand ça tombe, ça plutôt. Voilà, là 0. Là 0. Voilà, ça m'enlève ma vitesse. J'adore. Je suis mort quoi. Sérieux. Je vais mourir encore. Voilà, voilà, allez. Prends ça dans les dents. Pourquoi ça me ralentit là? Au juste. Pourquoi ça m'a re-ralenti? Allô? L'attaque! Ils ont mis de la synchro sur ça. Allez, un cœur. Il m'embête. Il m'embête. Voilà, il m'en embête. Je peux rien faire. Touché. J'ai mis deux tics. Hein. Attendez, deux secondes, la boîte à peine. J'ai pris le homard, alors je voulais la boîte à bento, punaise, allez. Le sultan, il aura pas ce homard. Il sera... J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Voilà, là il me fait mal, bravo. J'ai raté. Un tic encore. C'est la tête qu'il faut viser. Qu'est-ce que j'arrive à faire de... Voilà. Et... Mais pourquoi? Il me fait mal. Il me fait mal. Je sais pas du tout comment j'ai touché là. Il a 50 000 points de vie. Et...
Il est même pas en phase 2. Hein. Pour la phase 1 là. Pas, hein. J'ai plus de boîte à bento, hein. Quoi, il faut, faut le taper avec la queue de cheval maintenant. D'accord. Donc en gros, faut lui faire du cac. Étrange. Il va m'emmener. Vas-y, viens là. Mais. Punaise! Dis-moi que les boîtes à bento elles sont là. Oh, ok, trop bien. Au moins ça m'a pas perdu les trucs. Je crois que j'ai réussi à le faire descendre, donc il y a une petite phase 2 peut-être. Oui, c'est bon, on connaît Dargon là. Dagron même. Faire pas mal de dégâts comme ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, à moitié de dégâts comme ça. Bon, j'y arrive pas. Là, il va m'embêter. Voilà. Mi-life. Ok, déjà là, ça va plus vite. Je vais pas y arriver, hein. N'y arrive pas. Vas-y, casse lui s'il te plaît là. Merci.
J'y arrive pas. Il va plus vite. Comment voulez-vous que je fasse s'il va plus vite? Sérieux. Il m'enlève mon truc, hein. J'en passe deux là. Je sais pas. Là, je comprends pas. Désolé, mais j'y arrive. Je sais pas, je comprends pas. J'ai pas le temps d'appuyer sur quoi que ce soit. Maintenant. Ok. J'ai pas la synchro encore. Un arrêt gêne. C'est le boss qui me pose vraiment problème là. On y retourne. J'y arrive pas. C'est affreux, j'y arrive pas. Phase 2 ? Phase 2. Oh oui, phase 2, oui.
J'arrive pas. Il me fiche. Bon. Il me touche quoi. Je me doute qu'il y a une phase 3, sinon c'est pas drôle. Mais j'y arrive pas. Je peux même pas lui donner un coup sur cette phase. Un seul. À comprendre sur les plateformes, ok, mais là, ah, quand même, ça y est, c'est bon, pas de phase 3. Qu'est-ce qu'il veut? Tinkerbats. Allez, la carte du Nouvelle Île, très sûrement. Voilà. Carte de l'île des Engelures, donc c'est la carte où il va faire très froid. Ah, retour du Monsieur Badass. Ah, ok, donc en gros, Badass est allé taper un petit peu le faucheur, enfin le gardien de la porte de la mort, quoi. Il a beaucoup tapé, même du coup tout le monde est libre de partir. Très bien. Tout le monde ne veut pas partir ? Ok. Bah oui. Quête subsidiaire peut-être. Mais il retrouve les souvenirs, c'est bien ça. J'obtiens une âme égarée. J'ai éternué. Voilà, âme égarée. Alors, une âme qui a perdu son chemin, qui peut parler aux morts vivants. Non, faut revenir sur l'île araignée là. Sérieux?
ça c'était le jeu de la pièce. Il va peut-être falloir que je refarme tout ce qui est régène. Île, boîte à bento, mar, etc. Ah mais attendez, je pense à un truc là. Mais les gens comme ce calamar. Comment je... Comment je vais faire? Attends. Ça va être courir à partir de ce côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas, encore une fois. Il va y avoir un moyen de passer par là-haut. Ah. On va avoir des problèmes, je crois. Punaise. Alors c'est vrai. Prudence et de mise, prudence et de mise, prudence et de mise. Difficile en prenant quand même des dégâts. Quand même pas mourir sur ça s'il vous plaît, sinon je me retape le boss, j'ai vraiment pas envie. Ouais, à la limite, je sauvegarde. Ils servent à quoi ces calamars cœur? Quand j'en ai 4, j'ai un cœur supplémentaire en fait. Attraper celui d'en haut. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je pense qu'il y a un pouvoir qui me manque encore. Bon, c'est pas grave, il y avait la sauvegarde avant. Heureusement qu'il y avait la sauvegarde avant. Et là, pareil, il y a une hauteur, là. Il y a deux hauteurs, même. Laisse-moi passer. Kikin, oui. Il y a deux hauteurs. Que je n'ai pas découvertes. Oh, poussez-vous. N'empêche, ce niveau, cette île-là, ça aurait été le farm de pièces. Hein. J'étais à 200 et quelques, je suis à 750 et des brouettes. Farm de pièces.
Comme les cartes de cœur dans Wind Waker. Exactement. C'est exactement ça. Allez, un peu de lore. Tu es de retour, on dirait que tu as réussi. Je vais lire sur l'autre écran parce qu'en fait, vu qu'il y a un petit décalage. De justesse. Ou alors, faudra que je lise autre chose. J'ai trouvé tes bottes. Ou non, je vais lire de ce côté en fait, c'est pas grave. Qu'est-ce que je ris? Pourquoi elle rigole? La source du mal de Pirate Master. Je m'en suis chargé. Oui, bah oui. Alors, barrons-nous! Faut pas perdre de temps. Vous avez donné la carte en gelure qui donne l'accès à la nouvelle île froide. Pouf! Oh punaise, il va y avoir de l'aérien. Île marécageuse, j'ai 4 poulpes qui me manquent. Dont 2, je sais où ils sont, mais j'arrive pas à les avoir. Et 2 pirates. Bon, avant de faire une pause, on va régénérer et on va passer à l'île Brouette. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il voulait redonner les pouvoirs à Shantae. Et Bolo a disparu quoi. C'est n'importe quoi. Ça on s'en fiche, on l'a déjà vu. On s'en fout. D'accord, ouais, ça a tout changé. Hein. Oui, bien sûr. Les canons à usage décoratif, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ok, ma maison va bien, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui ? Deux, les deux monstres plus, je crois que je les ai. Ok, 75 gemmes. Cool. Par contre, je vais pas donné les homards, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est la girouette qui fait ce bruit, j'ai eu peur. On va devoir entrer dans tous les bâtiments. Pardon ? Attends, quoi ? On va faire la pause un peu plus tard en fait. Toi t'as rien à me dire. Hein. Non, elle a rien à me dire en fait. Elle n'a rien à me dire pour l'instant vu qu'il me manque des petits calamars de l'amour. Il va falloir aller au palais en fait.
Avant d'aller à la nouvelle île, il va falloir aller au palais. D'accord. Elle veut casser le mari, elle, c'est pas grave. Non, je vais pas acheter de potions, je vais pas acheter de potions. Il y a toujours pas. Donc j'ai tout au maximum jusque là, d'accord. J'aimerais bien voir quand même. Aller chercher les calamars, ce serait chouette. Elle est contre ce mur depuis déjà deux aventures. En gros depuis l'épisode 1 quoi, sérieux. Dieu, Chantal et Bijou. Ah mais je l'ai déjà lu ça. On va sauvegarder quand même. Bon, direction. Il y a quelque chose qui se passe en forêt apparemment. Peut-être pouvoir récupérer le cœur de la forêt au passage. Le calamar. Ouais, ça c'est gratuit. Il y a un trou. Attendez, on va peut-être tenter quelque chose. Alors non, pas comme ça. Mais au moins ça m'a pas mis de l'OS, c'est intéressant. Moyen de faire un truc là. Je récupère le caillou. Il y a moyen de faire un truc, je pense. Bien sûr qu'il y avait moyen de faire un truc. Pas trop comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et le cœur, il est à droite. Il est à droite d'ici. Donc, il faut que je prenne de l'élan à partir de là. Pardon, je passe. Attention. Et non. Et non plus. Comment je vais faire ? En vrai. Parce que là, je l'ai pas plus haut en fait. Je sais pas, ça me paraît très très haut. Tu as parlé de tyrolienne aussi. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Oula, il y a du peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on me rappelle qu'il faut chercher son épée. Il va falloir que j'ai vraiment que j'aille chercher son épée, quoi. Peut-être le faire de suite, hein. D'abord le palais. Y a rien à dire au palais. Oh, attendez.
Ah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais tomber dans un trou, ça va être très drôle. Stop, voilà. Un peu de régène de manger au passage, c'est pas mal. Et on va aller, on va aller. Je vais avoir du mal au désert. Merde, je prends des dégâts pour rien. Direction le désert. Il fallait aller, de mémoire, il y avait un souterrain quelque part. En vrai, voilà. C'est beaucoup plus drôle. Hein. Ah ! En effet, c'est beaucoup plus efficace. Ah d'accord, quand on tape dans le mur comme ça, ça nous fait des cailloux magiques, de l'argent quoi. Et voilà le coffre avec une épée enchantée même. Voilà, bon ben on s'en va. C'est rapide, hein. Passage express. Retourne en ville. J'ai cru que j'allais tomber. On peut refoncer. Et bonjour, voici ton épée. Est-ce l'épée enchantée? L'as-tu trouvée? Ben oui, en fait, elle est là. Mon épée. Maintenant que je l'ai, je ferais mieux de me faire oublier. Pourquoi? Je pense que mon ami Branson est sur le point de faire... Ah d'accord. Bah, il va se transformer quoi. Oh là là. Chut. Voilà, il va dire les mots. Hé les gars, on devrait acheter des sacs à main à sortir. Pardon quoi? Alors oui, au premier degré, je suis d'accord.
C'est ça les mots magiques? Mon dieu, c'est Musclor. J'avais raison depuis le début, c'était Musclor. Oh, au secours. J'ai pris l'avantage. Par le pouvoir du crâne ancestral. Non, c'est pas ça. Trois personnes seulement connaissent mon secret. L'enchanteresse Chauve. Le maître des pistolets. Et l'homme. Et moi, 4. Bah oui, bravo, Chanteur, en effet. Attends, quoi? Ensemble, nous protégeons le château des silhouettes des grossières légions du fantôme. La grande coucheuse, c'est quoi ce bordel? Les mots sont en jaune quand même. Hein. C'est... Oh, oh les enfures. Allez, les balances. Les filles de l'île salive. Sérieux? Vous avez même pas reconnu quoi. T'es dans une mauvaise posture mec hein. Il est vraiment en mauvaise posture. J'ai réussi à passer sans me faire tuer, sérieux? Alors. Oh punaise, elles sont là-haut! Mais j'y accède comment, moi, là-haut, là? Pardon, mais. Pas à quoi servit la quête en vrai. Je pense que ça va être plus tard. Dans tous les cas, il manque un bout de cœur déjà d'une, hein, avant toute chose. Mon dieu, j'ai 900 pièces. Pardon. 900 pièces. Ils ne me servent pas. Et en vrai, faire une pause, puis ça servira pour la VO. Allez, YouTube, suivez tout ça, vous connaissez la chanson, venez sur Twitch aussi, ça peut être cool. Abonnez-vous si vous avez envie, ça fera toujours plaisir. Cordialement, bisous YouTube. Twitch, à de suite.